beaucoup de choses vont changer en 2013 sur votre télévision. La première, c'est que quand vous allez l'allumer, vous allez appuyer sur votre bouton. Vous n'allez pas tomber sur la chaîne de télé forcément que vous souhaitez sur tout l'écran, mais vous allez tomber sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, elle a donc la télévision qui vous intéresse, mais elle a aussi d'autres choses, d'autres fonctionnalités. Des applications, par exemple, qui viennent de la télé connectée, donc la vidéo à la demande, par exemple, ou le catch-up. Mais aussi, ça peut être des favoris Internet, donc des pages web que vous avez sauvegardées, que vous souhaitez regarder. Ça peut être aussi des widgets, des petites applications comme un calendrier qui peut synchroniser avec Google ou la météo. Et vous avez la possibilité de choisir entre différents formats de home screen ou de, je dirais, page d'accueil. Par exemple ici, ça c'est une version qui me permet d'avoir l'heure, le calendrier, Skype et puis ici une connexion avec l'IPG. Et je vais pouvoir choisir en fonction de mes goûts ce que j'ai envie de regarder. Et une des particularités notamment, c'est qu'on permet à l'utilisateur de créer sa propre page. Donc, par exemple ici, je vais pouvoir choisir un motif qui me convient. Voilà, je vais prendre celui-ci. Et sur ce motif-là, je vais avoir ma chaîne de télévision au centre. Je vais pouvoir choisir des applications et dire voilà, j'aimerais bien, alors sur cet espace-là, rajouter l'application Media Player. Voilà, Media Player, ça permet de lire du contenu sur carte SD. Ou par exemple, ici, je vais dire sur l'autre, j'aimerais bien avoir, pourquoi pas Skype. Skype, voilà. J'ai créé ma page personnalisée. Donc ça, c'est le nouveau concept pour 2013. En plus, la télé est capable de vous reconnaître et de reconnaître votre visage. Donc il y a un système de reconnaissance de visage par la caméra. Elle permet de reconnaître jusqu'à 20 visages différents et elle permet de reconnaître 5 personnes dans la même pièce. Une fois que la télé reconnaît votre visage, elle va donc switcher, aller vers la page qui est la vôtre, que vous avez créée. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le concept de personnalisation et c'est un des grands highlights de 2013 pour la télévision. Alors, dès le premier semestre, ça va être disponible sur l'intégralité des téléviseurs connectés. D'accord ? Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qu'on va étendre au mass market, au volume. Et donc, ça va effectivement, c'est un gros changement.